Salut à toutes et à tous, c'est Yov, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 6 de notre aventure sur Minecraft. Alors là, il y a une petite araignée. Oh oh, est-ce qu'elle est méchante? Non, je ne crois pas, donc on va aller la buter. On va aller la défoncer. Il y a aussi un creeper, si j'ai bien vu. Deux même. Ok, alors on va aller les défoncer pour essayer de se faire un bloc de TNT. Tiens, tiens, voilà, merci pour les deux fils. On va aller voir les deux. Trois creepers? Ok. Ok, d'accord. Elle vient là. Hop. Hop. Et hop. Ça nous fait un petit bloc de TNT. Où est le troisième qu'on avait vu là? D'accord. Allez, on a deux à ma poursuite. C'est pas grave. Alors, c'est lequel qui va avoir le premier coup? C'est celui-là. Voilà. Oh, bah, il a tué son ami. Ouf. Je le voyais. Oh putain, il y en a un quatrième. Mais il y en a plein ici. C'est grave. Hop. N'explose pas. Je veux ta poudre. Voilà, merci. Est-ce qu'il y en a un autre? Je crois pas. Non. Parce que je vérifie quand même. Parce que déjà dans l'épisode 3, il me semble qu'il y avait 4 creepers qui sont apparus. Et il y en avait un derrière moi. Hop. Voilà. Parfait. C'est parfait. Alors on a combien de poudre? Alors, on a 8, on va essayer de se faire 2 blocs de TNT prochainement. Comme ça je pourrais vous montrer comment en faire. Enfin, s'il y en a qui savent pas, ça peut toujours être utile. Hop. Je trouve ça assez utile d'avoir mis 3 portes comme ça dans ma maison. Ici, il n'y a pas de monstres qui ont spawné, normalement non, hein. J'ai mis des torches. Alors c'est parti, on retourne dans la grotte. Comme un fou. Alors on a fait notre stock. Ah, par contre, je crois que j'ai. Oui, j'ai oublié de faire brûler une petite côtelette. Ah, c'est très important ça. Et si je vois un petit cochon, je le bute. Ah, bah, il y en a un là. Il est tombé dans le trou du creeper, ce bouffon. Allez, viens là. Hop. Allez, tiens. Ah, il m'a rien donné. Peut-être que l'autre, il va me donner quelque chose. J'espère qu'il n'y a pas de creeper dans l'eau. C'est marrant, ça. Hop, voilà. Merci pour la côtelette. Ouh là là. Il y en a un troisième là-bas, mais je vais pas m'embêter à aller le chercher. Je vais mettre un peu plus de brouillard pour éviter de laguer dans la maison. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, mettre là. On va faire brûler la côtelette. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais bon. Ça va être utile. Alors. Ah oui, le fil d'araignée, il va falloir que je le mette en lieu sûr. Hop, donc je vais le mettre maintenant. Ça aussi, je mets en lieu sûr. Ça, c'est bon. C'est bon. Les torches, on va les mettre à la place des flèches ou d'une côtelette. Bon, allez, on les met à la place de rien du tout. On le mettra à la place de la pioche quand elle sera bien, bien usée. Ça y est, on a tout notre stock. Et maintenant, ça va chier des bulles, on va dire. Oula, le brouillard, ça fait bien peur. Bref, hop, on enlève le brouillard. Je vois un zombie qui vole. J'ai vu un zombie qui volait ici, c'est pas grave. Peut-être que ça existe, hein, c'est Minecraft après tout. Alors attendez, je fais un petit réglage vidéo. Hop, voilà. Maintenant, ça devrait être beaucoup mieux. Ou pas. On va voir. Alors, c'est ici qu'on descend. Est-ce qu'on va entendre des bruits de. Ah oui, là c'est le trou, ok. J'essaie de me repérer quand même, un minimum. Est-ce que j'ai été monté? Oui, j'étais monté par là. Alors, il faut que. Oula! Oula! Ouf! Je sais pas si vous l'avez vu, le creeper. Oulala! Qu'est-ce que j'ai flippé? Oh! Tiens! Tiens, prends ça! Prends ça, raclure! Comment il peut réapparaître là-dedans? Ouais. Ah d'accord. Ou alors c'est celui qui m'a suivi dans l'épisode 4, 5. Si on est déjà à l'épisode 6, ça passe vite. Heureusement, j'ai fait une petite passerelle, hein, parce que si j'aurais passé comme ça tout d'une, je me serais fait littéralement buter. Enlever ce bloc là. Ça me gêne. Il faut sécuriser le passage quand même.
Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte, punaise, même l'entrée, elle est infestée de monstres. C'est incroyable. Et il vient par là, lui, alors. Ah oui, il y avait une entrée, là, aussi. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Qu'est-ce que je vais faire? Pas ça. Bon, allez, là, un petit coup de F3 pour voir s'il est là. Ça doit être un des zombies que j'ai vu voler à travers. Je suis sûr qu'il y a un autre donjon, hein. C'est clair. Heureusement que les donjons de Creeper n'existent pas. Je crois qu'ils n'existent pas. Je l'espère, parce que... Déjà, un donjon de zombies, ça fait flipper. Alors, un donjon... du Creeper... Ça fera encore plus flipper. Donc, je crois que le Creeper est arrivé de par là. Ah bah, il est là. Allez, viens, petit zombie. Tiens, et tiens, voilà. Ça prendra. Je suis sûr qu'il y a un autre donjon. Ça, j'en suis convaincu. C'est pour ça qu'on va avancer comme un dingue ici. En vérifiant. Ouh là. Voilà. C'est parfait. J'espère qu'il y en a... Punaise. Mais je suis sûr qu'il y a un autre donjon, hein. C'est pas possible. Hein. Pas possible autrement, il y a trop de zombies. Ouf. Est-ce qu'il y a un donjon ici? En tout cas, il faut repérer la cobble. Ça, c'est clair, faut repérer la cobble pour voir s'il y a... un donjon. Alors là, on va miner. On va user la pioche quand même avec le, en prenant le fer, le métal. Voilà. Pff, oh là 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 là. Ça fait combien de minutes là? Ça fait 7, 7 et demi. On va continuer. Oh là là, l'araignée. Tiens, saloperie. Non. Oh. Ah non. Allez, viens, décoince-toi. Tête d'enclume. Hop, voilà. On a pris aucun dégât. Aucun dégât. Pour l'instant. Ça se trouve... J'ai pas envie de tomber sur un donjon de... d'araignée. Parce que alors là... Là... Oh, le bug du avancer tout seul, j'aime pas ça. Mais c'est un bug en fait, c'est. J'avance. Il est où? Où est-ce qu'il est? J'entends un squelette. Il est là-bas? Bah là, il n'y a pas de trou, pourtant il peut pas m'avoir. Il n'y en a qu'un là-bas. Et là, c'est bouché. Alors. Je vous expliquais un bug. En fait, c'est mon bonhomme, il avance tout seul. Hop. Voilà. Alors. S'équiper. Quoi ça sert de mettre une torche ici, faisant ça? Elle sert totalement à rien. Une torche ici, ça sert totalement à rien à côté d'une autre. Oula. Ah non. Prend des dégâts, je crois, mais je sais pas où il est. Ouh là là, mais c'est incroyable ça. Ouh, allez, soyons courageux. Ah, zombie, ça c'est pas grave. Il n'y en a pas un autre. C'est jamais s'il y en a un qui se cache. Qui est coincé, ça peut pas se cacher un zombie, ça peut que se coincer. C'est tellement con. Un creeper. Allez. Ouf. Oh là 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 là. Heureusement qu'il n'a pas ouvert une autre galerie. J'aime pas ça, on va recouvrir parce que j'aime pas trop qu'il y ait un trou comme ça. Hop, alors. Voilà. Hop.
J'entends un squelette et j'aime pas ça du tout. J'aime pas grand chose chez les monstres de toute façon. Hop. Alors s'il y a du bruit, ça sera sûrement en dessous parce qu'il y aura des monstres qui vont spawner, j'en suis sûr. Parce qu'il fait noir, j'ai pas eu l'idée de mettre une torche. Pas de trou. Punaise, mais c'est interminable. Interminable. Ah, je suis tombé sur quelque chose de fort. Hein. Ok, c'est un tournant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va miner ça. Hop. Voilà. Voilà. On va essayer d'épuiser notre pioche quand même, parce que ça nous fera un peu de place et ça nous sera utile. Voilà, donc elle est usée. Ça, c'est bien. On va rester encore enfin quelques petites minutes pour cette vidéo. Est-ce que c'est par là que les... J'aime pas ça. Il y a du gravier. J'aime pas ça. Il y a une descente aussi. Oh oh. On va continuer vite fait. On va peut-être miner comme ça ici. Et la réponse au prochain épisode. Salut à tous, à bientôt et gardez la forme. Salut à tous.